avec les épaisseurs en 2000 mètres pour le casque, l'aspect historicité, les différentes couches qu'il faut avoir, effectivement leur embourrage plus l'acier, mais il y a aussi des règles qui concernent les armes. En effet, il est des tailles, des points minimum, maximum pour les pour ces armes, ce sont des armes interdites pour tout ce qui est armes contondantes à deux mains, des armes à chaîne à cause des risques de sport. Le but des Serbes de s'affronter, de se taper dessus, c'est pas pour autant de chercher à s'envoyer à l'hôpital. Alors c'est parti pour Sarah, nous allons très discuter ce que ces combattants ont l'habitude de s'affronter à la salle d'armes. Ils disent vraiment essayer de faire, pas de pression, donc ils font un combat au sol, assez au niveau des jambes, mais il faut qu'elle fasse attention à sa garde. Alors du coup, Yannis en profite pour percer sa défense et la barre. Ah, c'est meilleur. Beaucoup plus de coups donnés par Jadis Gallet. Du coup, en plus, ça s'est marqué, donc comme ça, il n'y a pas de mauvaise interprétation. Est-ce que le coup est compté ou pas? Pour réussir avec son bouclier à bloquer l'adversaire, en plus de se frapper, mais voire bloquer son arme pour vraiment le rendre inutile et pouvoir en profiter pour marquer le plus de points possible. Déjà la fin de la round. Une minute, ça paraît court quand on regarde, mais assez long dans son combat. C'est vrai qu'elles ont pratiquement la même armure, toutes les deux. La même arme, le même bouclier. Bon, elle sera assez tranchée entre les deux combattantes. Il y a clairement eu un avantage. Ah, c'est reparti pour le deuxième round. Je rappelle qu'il faut deux rounds gagnants pour remporter le match. De la gagnante du premier round. Donc là, bonne défense contre le défendre. Effectivement, c'est une zone qui est très exposée. Très beau moulinet du poignet. J'espère pour elle qu'il lève ses bouches. Charge qui a manqué de puissance, qui a permis de passer contre la garde de son adversaire. Un travail enchaînant aussi pour frapper les jambes et la tête. Devient difficile pour Laurie de résister, d'assurer une garde suffisante pour tenir face à son adversaire. La taille joue aussi, effectivement. Déjà plus que 4 secondes, 3, 2, 1, fin du temps. Malgré la fatigue. Effectivement, des fois on peut sembler qu'un handicapage est très disputé entre les deux combattants, mais si le coup n'est pas suffisamment appuyé, porté, eh bien, le risque c'est qu'il ne soit pas comptabilisé par les arbitres. Il ne faut pas qu'il soit donné un petit peu comme une mitraillette en enchaînant, il faut vraiment marquer, appuyer, fort, il ne faut pas hésiter de toute façon. Les combattants sont protégés par les arbitres, il ne faut pas hésiter à appuyer. Alors, nous avons une gagnante, il n'y aura pas de troisième round.
combat.